There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We're losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no one. Et yo tout le monde, Thunder Axel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série de remplacements pour Dire Wolf. Donc, on se retrouve sur Refuge. Donc, c'est un mode pack plutôt axé sur l'aventure. Donc, il commence déjà à faire nuit, ça promet déjà. Déjà récolter du bois, c'est déjà ça. Au moins qu'on ait de quoi rentrer dans ce refuge, parce que sinon on n'est pas un peu dans le caca. Please read, ça il faut que je lise avec vous. Donc les pièces se débloquent après avoir réussi tout ce qu'on a à faire. Donc ça se débloque au fur et à mesure. Donc ici, hop. Je vais voir ce qu'il y a à faire. Ouais, tuer des zombies. Bon, on va déjà aller par là. Ouais, des factory blocks, allez, pourquoi pas. Hop. Est-ce qu'on a déjà unlock quelque chose? Personnellement, je vais prendre une épée. En fait, j'ai coupé du bois, ça a servi à rien. Hop. J'ai deux quest books. Ah, ok, j'ai deux quest books. Donc, choper du Darkwood. Ouais, j'ai des fioles ici, ça c'est bon à savoir aussi. Il faut 8 de Darkwood, donc on va creuser un peu, enfin on va récolter un peu de bois. J'ai déjà entendu des mobs. Il me semble que le son va légèrement fort, pourtant j'ai bien baissé. Hop. Ça a l'air d'aller pour l'instant, mais les particules me font particulièrement laguer. Hop, voilà, donc on est à 8. Hop, apple juice ou apple? Bon, on va prendre des apples. Hop, oh ça y est, il me faut 3 de pain. Bah ici clairement je pense pas que je serais faire pousser. Ah, j'aime bien ces blocs là. Hop. Je propose qu'on commence déjà à rentrer. Oula. Dedans. Ça promet déjà, on a déjà le spawner. Je vais le casser directement pour éviter d'avoir des soucis. Si j'arrive à le casser, évidemment. Ça se casse tout doucement. Et je n'ai pas de pickaxe. Donc ça risque d'être un léger souci, ça pour l'instant. Pour l'instant aussi il spawn pas, ça fait beaucoup de pour l'instant ça. Hop. Ah mais c'est parfait ça, on va remettre des échelles. Pour remonter à la surface quand on en aura besoin. Voilà, ça c'est parfait. Comme ça, on pourra remonter comme on veut. Je vais en mettre des deux côtés. C'est les échelles qui nous manquaient justement ici. Hop, on va récolter un peu le fer. Bon, on va tout prendre comme ça. Non, il me faut pas l'échelle, merci. Donc, on devait récolter du blé. Le blé qui... Je sais pas. Magical Crops Enemy. Ah bah voilà, c'est parfait. Ah, ça aussi. Comme ça, on peut récolter le blé tranquillou. Il y a le play d'Energy Stick qui traîne aussi par ici. Qu'est-ce qu'on a par ici? Magical Crops.
On va tout récolter. Hein. On va remettre ça partout. Pour commencer déjà à farmer légèrement. Hop. On va planter les graines. Oh, j'ai des lags par ici. Il me semble que ça utilise quand même pas mal de... Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Bon, encore une fois, on récolte tout. Et je vais en prendre une seule de ça. Ça se met? Non, ça se met pas, tant pis. Ah si, ça se met. Voilà. Il y a quelque chose qui est ouvert ici. Hop, voilà. C'est parfait. Pour l'instant, je pense que je vais bloquer l'accès ici. Parce que s'il y a des mobs, ça va pas être pratique. Ils sont stylés ces escaliers-là, par contre. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Genre, on met là-dedans et ça cuit tout. Ouais, mais pour ça, il faudrait du charbon aussi. Oups, pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Je sais pas à quoi tout ça peut me servir, mais je le prends quand même. On va refoutre le spawner par ici. Donc il faut trouver une table de craft malgré tout. Au pire, on la craft nous-mêmes, ça ira plus vite. Tac. Pendant ce temps-là, j'espère que ça a quand même un petit peu poussé. Il nous en fallait combien de pain? 3. Voilà, le troisième y est là. Tac. Voilà. On a nos 3 pains de crafté. Je sais pas c'est quoi le mieux à prendre. Je prends pif parce que là, franchement, je sais pas c'est quoi le mieux. Des patates et des carottes. Donc il faut quand même trouver les patates et les carottes. Donc on a déjà ça. Est-ce qu'on est ici? Ouais, non. Faudrait que je me vide aussi. Ah ben non, c'est bon. J'ai seulement de remarquer qu'on avait ça. Donc sur les crops où il n'y a rien, on va foutre les carottes et les patates. Et le blé, tac, ici. Ça, comme ça, c'est bon. Bon, on va profiter de l'espace qu'on a ici pour foutre notre petit bordel qu'on a déjà pas mal accumulé. Mine de rien. Hop. L'épée, je récupère. Et la nourriture, je garde aussi. Pendant ce temps-là, je vais quand même aller un peu explorer dans la zone. Il y a un spawner là-bas. Donc, il faudra faire hyper gaffe. Ici, ça. Ouais, il me semblait bien. C'était un peu bizarre quand même comme truc. Du tin. Et du bois, ouais, c'est bon. On va regarder un peu partout. C'est un bloc un peu spécial ou autre chose, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vois rien d'autre de spécial. Ce que je ferai, c'est quand même une petite pioche, histoire de pouvoir miner les spawners. Parce que sinon, ça risque de poser aussi un sacré souci. Et il y a l'air d'en avoir un peu partout des spawners. Donc, hop, voilà. On va casser tous ces spawners. Voilà. Ah oui, d'accord, la stone pickaxe, c'est genre inutile, quoi. Ah oui, t'inquiète. Enfin, si, c'est utile, mais juste pour casser un bloc et il est bon, quoi. Bon, pendant ce temps-là, ici, ça pousse. Je vais continuer à explorer la zone.
Qu'est-ce qu'on a par ici? Pas grand-chose. Magical Crops Enemy, on n'a toujours pas. Donc il faut 5 patates et 5 carottes. Ça c'est bon. Hop. Ce que je vais faire, c'est faire cuire ça. Comme ça, j'aurai un peu de charbon pour me faire un peu de steak. Et des torches principalement. Hop. Tac. On va transformer tout ça en steak parce que ça va nous être pas mal utile, il me semble. Hop. On va récupérer la moitié quand même. Le reste, ça va nous faire cuire, mais on va déjà récupérer pour faire quelques torches et aller explorer la zone où il n'y avait aucune lumière là. Hop, tac, tac, un peu de torche. On va recreuser un peu pour faire un petit passage quand même. Je vais quand même aller éclairer par là. Par là, c'était bon. Hop, on va recreuser ici. C'est déjà cassé. Ah oui, d'accord, ça rigole pas ici. Ah mais... Ah, c'est... C'est relou là. Je dois bien l'avouer, c'est assez relou. Ah, et bien sûr, je n'ai plus de... Ah. Ah, ça va. C'est une zone à creeper, c'est tout. Hop, on va éclairer ça. Ah, c'est pas terminé ici. Ah, je l'ai vu. Ou bien il a fait exprès pour dire que ce soit en ruine. On va l'excuser quand même un petit peu. Il n'y avait pas grand-chose, je suis déçu par cette salle. Peut-être qu'il y a à gauche ou à droite. Ah, il me semblait bien qu'il y aurait une caisse ici. Ah non. Il n'y a pas de caisse, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait une caisse, mais il n'y en avait pas. Habituellement, il y en cache, donc... Ouais. Ici, c'est la zone un peu dangereuse. C'est K. Voilà, bah, comme ça, on sait ce qu'il y a par là. Bah, je vais un peu ellipser le temps. Tant que ça pousse, parce que sinon ça risque d'être un petit peu long quand même. Donc on se retrouve tout de suite. Et re tout le monde, donc ça tombe bien, j'ai quand même regardé au cas où, et je viens de remarquer que justement il y avait d'autres missions où on peut faire des drying racks, donc il faut juste en crafter. Ah oui, c'est bon. Donc on a drying rack. Ah bah c'est parfait, c'est ce qu'on a reçu tout à l'heure, donc on va en crafter. Hop, ça c'est... J'aime bien quand c'est parfait comme ça. Là, il n'y a rien, je le sais. Je vais faire... Ouais, je vais faire ça. Et il faut faire 5 Monster Jerky. Donc, on va les poser ici, les Drying Rack. Hop. Voilà. Et bien sûr, j'en ai que 4. Donc, ça c'est... Limite, je vais enlever quelques torches de l'autre côté. Ou bien si j'écœure le spawner. Je sais pas si je sais reposer un spawner comme ça. Ça, je me pose bien la question. Je n'ai plus de spawner. Faudra. Et là, il y a certainement 10 spawns. Mais j'entends quand même un zombie qui traîne ici dans le coin. Je sais pas où il est, mais il est pas loin, ça c'est sûr. Bah tant pis alors. Ah, peut-être à l'extérieur. Ou très certainement à l'extérieur. S'il fait pas jour. Et bien sûr, il va faire jour. J'avais pris ça.
À l'extérieur, il fait jour, donc il n'y a pas de zombies non plus. Le monde, mine de rien, il est quand même assez beau. J'aime pas trop les particules parce que les particules me font quand même laguer. Bonjour Creeper. Comment vas-tu? Moi je vais bien. Fais pas exploser l'endroit où je vis actuellement. Voilà. Donc on s'est déjà débarrassé du creeper, c'est déjà un bon truc. Mais je pense qu'on va devoir attendre le jour pour qu'on ait de nouveau... la nuit pour qu'on ait de nouveau des zombies. Donc je vais vous ellipser ça. Hein. Clairement, il faudrait que je regarde plus mon bouquin parce qu'ici, voilà, on doit crafter des coffres. Heureusement qu'il y a des moments où j'arrive à regarder mon bouquin parce que sinon je sais pas ce que je pourrais vous faire là. Il me faut du bois par contre. Bois que j'ai sûrement tout saccagé parce que je suis un boloss. Et ouais, j'ai tout saccagé mon bois. Et je dois crafter deux tables de craft donc deux chests. Donc on va faire ça et je pense qu'on pourra déjà clôturer cet épisode. Mine de rien, c'est assez compliqué de mettre en œuvre enfin, les premières missions parce qu'on commence vraiment avec rien et c'est assez complexe. Mais j'aime bien quand c'est assez complexe comme ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne petite série ici. Hop, on va retourner à l'intérieur de notre petit... Ah, ok. Ah ok, ça va, je récupère. Bon, les vitres, je pense que je m'en fous pas mal. Je l'avais même pas remarqué en rentrant. Hop, on vient ici et on craft les deux tables de craft. Tac. Ce qui nous permet de... What? D'unlock... Non, je vais pas prendre du bois. Du bois, il y en a tout plein à l'extérieur. Je vais prendre le reward bike. En espérant que j'ai pas un truc trop nul non plus. Hop. Bah, des os quoi, waouh, génial. Bon, c'est pas grave. Pour le prochain épisode, je vais déjà commencer à faire la mission ici et une clem, deux trois petits trucs. Crafter. Aïe, je l'avais pas vu. Mais d'où viens-tu? Il me donne même pas de viande. Comment je vais faire de la Monster Jerky si j'ai pas de viande? Bon, maintenant, laissez-moi regarder en paix ce que je peux faire. Trouver. Ouais. Bon, c'est pas grave. Et un satchel que je dois faire. Est-ce que j'ai débloqué autre chose? Non. Mais je pense qu'on est déjà un bon moment d'épisode et qu'on peut commencer justement à se dire au revoir. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut tout le monde!